Le Clash, c'est sur la chaîne Asselineau. Ça vous emmerde ? Je rentre à ma maison. Bon, vous êtes prêts ? Ouais, prêt. Prêt pour le clash de la drague dans une demi-heure, parce que ça va être chaud, là. Ça va être un des grands moments de la soirée. Je le sens. Je sens qu'ils sont chauds comme la braise. T'inquiète, ma gueule. Romano a eu 5 ce matin, l'horoscope de l'amour. Ouais, c'est vrai, ouais. Il au est top prêt, niveau. Prêt à tout vous donner ce soir pour ouais, gagner. Ouais, quoi, tout vous donner. Donner de l'amour, du sexe, mais pas mes sous. Hein. De l'amour, du sexe, mais pas ses sous. Ah, ouais. Désolé, il y a un truc que je donnerais pas, c'est ça. Bon, Cédric, t'avais 0 à l'horoscope de l'amour. J'espère que ça va pas trop te nuire. Me rappelle pas des trucs comme ça, toi. Bah, c'est pour, après, t'es jaloux, tu dis que je parle de l'horoscope de Romano et que je parle pas du tien. Non, mais faut être positif, faut pas penser aux trucs négatifs. Ouais. Faut être positif dans la vie. Bon, t'es donc prêt et positif pour ce soir. Ouais, toujours. C'est bien. Eh bien, écoute, on attend ça dans une demi-heure. C'est quoi ta méthode? Tu peux nous dire en exclu, total, en avant-première? Bah, ma méthode, c'est je me suis fait opérer du sexe et du coup, j'aimerais bien tester mon nouveau sexe avec les familles. Bah, tu sais, moi, si j'étais à ta place, on parlait de chirurgie esthétique tout à l'heure, j'aurais pas fait une opération du sexe. Mais bah, plus de la gueule. Bien, parce qu'on parlait de Kevin et des petits seins de sa copine, qui a des tout petits seins. Ouais. Et je disais qu'on était tous tombés sur des filles avec des petits seins. L'essentiel est d'en avoir, nous disait Thibaut, là, sur SMS. Mais t'as bien raison, mon Thibaut. L'essentiel est d'avoir déjà deux. Ah, bah, seins. Ouais, comme on disait, deux, c'est déjà pas mal. Donc, ça t'a donné une idée, tu vas faire un peu opération de chirurgie. C'est ça, ouais. Très bien, Cédric. Et Romano, ta méthode, tu peux nous la donner en avant-première. Non, je peux pas vous la donner parce que pour le moment, je suis en pleine réflexion méthodique. Là, je suis sur. Tu réfléchis. Je suis sur plusieurs pistes, mais je vous réserve le meilleur, mes amis. Kalagan, t'as pas encore envoyé une méthode. Non, mais c'est surtout gros. commence pas à tailler sur la méthode parce que la bite, on l'a fait au moins 10 fois, donc. Tes recyclages permanents, ça commence à bien faire. Ouais, tu parles de recyclage, s'il te plaît, mais vas-y. Non, mais je recycle pas tes méthodes, c'est de la merde, tu perds à chaque fois, mon ami. Méfie-toi, peut-être que ce soir il va gagner, dis-donc. Voilà, bon, l'arbitre, c'est sûr qu'il roule ce soir. Merci de ton soutien, monsieur l'arbitre. Sucez-vous, seul contre tous, je vaincrai. On va faire un petit bilan. T'as mal à la jambe aussi, non? D'ailleurs, j'ai un peu mal. À chaque clash de la drague, il a remal à la jambe. Et ce soir, et ça, c'est pas du mytho, j'ai un peu mal au trou du cul aussi. Parce que c'est ton problème, on s'en fout, nous. Alors, il paraît que t'as pas de méthode. Cédric m'a dit ça tout à l'heure. Il arrête pas de dire, oh là, il a pas de méthode. Il a pas de méthode. Il a pas de méthode. Si, bah, je vais me servir de ma chiasse. Oui, alors. Je vais dire que ça coule, il me faudrait me boucher le cul. Boucher le trou. Sinon, t'as une fuite. C'est sexy, ça. Ouais, bah, je trouve ça classe. Moi aussi. Voilà, une petite classe, sexy. Bon, tout pour plaire, quoi. Donc, tu te fais boucher le cul parce que t'as une fuite. Ouais. Bah, ça arrive. Et je vous rappelle que Cédric, lui, s'est fait opérer du sexe. C'est ça, ouais. C'est sa méthode pour draguer. J'ai ma nouvelle bite. Dans un instant. D'ailleurs, Diffoul, tu veux l'avoir? Très bien, Cédric. Non, c'est très gentil, Cédric. Oh, mais dégueulasse! Arrête de me faire des avances, je vais vomir. Ah, non, on sait jamais. C'est... Diffoul, tu me dis, je peux appeler la sécu à n'importe quel moment, la sécurité. Hein. Très bien, tu vas voir ce qu'ils vont te faire à ta bite, la sécu. Si on t'envoie Yovan, il est capable de... De te la sucer. Ah, dégueulasse! Big up à toi, Yovan. Il doit être content, là. Ah, bah ça, il bouffe du chibre. Yovan de la sécu. Putain, il va arriver, il va être un foutu. Il fait le motard et tout, mais ça bouffe du chibre. Je le dis souvent, on a qu'une vie. Il a raison d'en profiter. Ah bah il a bien raison. Ouais. Faire taser mon pote. Bon, on fait le clash, vous êtes prêts? Bah je sais pas, Cédric, t'es prête? Ah moi, mais toujours prêt, moi. Allez, c'est parti, clash de la drague. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Oui. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. De l'autre, Cédric. Bah Cédric, c'est moi, le seul, l'unique, le vrai. Bravo. Le beau gosse. C'est le clash de la drague. Eh oui, le clash de la drague. Clash de la drague sur Skyrock. C'est parti avec nos deux clashers. Romano. Et Cédric aussi. Romano. Cédric, ta méthode de la chirurgie esthétique. Non, de la chirurgie du visage. La chirurgie à la bite, t'as fait quoi comme chirurgie si c'est pas esthétique? J'ai fait agrandir un peu ma bite parce que je la trouvais déjà un peu plus. Bah, c'est esthétique ça. Oui, si tu veux. Parlais de la chirurgie des seins tout à l'heure en début d'émission. Et Romano, ta méthode de j'ai l'anus qui coule. J'ai l'anus qui coule, il faudrait vraiment me le boucher ce soir. Et peut-être même le nettoyer avant. Très bien. J'ai demandé ça aux familles. Ça va leur faire plaisir, tu crois? Bah, j'espère. J'espère que je vais bien accueillir. C'est parti. Allez, c'est parti. Envoyez la sauce, là. Envoyez la sauce. Dis pas des trucs comme ça. Bruno, il y en a qui sont pas tout balancés. Envoyez l'appel, quoi. Voilà. C'est pour Cédric. Prenez l'appel. Écoutez bien vos réactions en direct, hein, sur les SMS, sur la SMS, comme dirait Cédric. Et sur le net. Et tout le reste, le Facebook, le Twitter, le blog. Et vos votes. Mais ça, c'est ça. Juste après. Dès qu'on vous donnera l'autorisation de voter après que Cédric et Romano nous aient fait leur démonstration et leur déclaration. On laisse couche. Allô, Didier. Didier. Ouais, comment ça va, ma gueule? Ça va? Ouvre ton micro. Il est ouvert. Allô. Ouais, c'est Michel au téléphone. Dis-moi, je t'appelle là parce que je viens de me faire opérer du sexe là. Je l'ai un petit peu agrandi.
et je voulais le montrer à une femme. Donc là, comme j'ai pas de copine, je pensais à la tienne. Didier. Ah, il a raccroché. Oh, oh putain. Oh. Ça souffle, hein. Ouais, il y a du vent. Il avait annoncé à la météo. Okay. Gros vent. À 20... Attends, ils avaient annoncé un gros vent à 22h09. Ah ouais, bah attends, voilà. On va s'occuper de ça, ma gueule. Il y a une sacrée rafale, là. Oh là, je sais pas ce qui s'est passé, Cédric. Ça souffle, je sévère, là. Ouais, ça arrive, tranquille. C'est qui? Jacques. C'est Jackie. Ça va, Jacques, il est en forme, là? Parce que Jacques, c'est pas non plus un prénom. C'est Jacques, ouais. Mais tu pourrais réveiller des morts, Manon. Allô, Jacques? Ah, tiens, c'est dit. Jacques? Jacques? Oui, bien, non? Oui, bon, bien joué. C'est malin, ça. Bah non. Je m'en fous, il a pas parlé, donc ça compte pas. Pierre. Donc, ah oui, il a pas parlé, donc on rappelle pour toi. Ouais. C'est pareil bien. Qu'on est reconnu, on a droit à notre appel. C'est les règles du clash de la drague. Je fais des petits rappels comme ça. Déposez chez un huissier. Oui, attention. Allô? Ouais, allô, Pierre? Oui. Oui, bonjour, comment ça va? Bah, très bien, mais c'est qui? C'est un copain de ta femme, elle est là ce soir? Ouais, parce qu'en fait, je t'explique, là, je fais un petit souci, là. J'habite pas loin de chez vous, là. J'ai chopé une colique, mais carabinée, quoi. Ah ouais? Ouais, c'est terrible. Ah ouais? Et en fait, j'aimerais bien que toi ou ta femme me bouchiez le cul ce soir. Ah ouais, mon con, va. Alors, je peux me pointer chez toi, là? Ouais, viens. Je t'attends avec le fusil. Ouais, le fusil, bah, tu me le mettras dans le cul, je pense que ça bouchera bien. Ouais. Ta femme léchera avant pour me nettoyer. Mais oui. N'importe quoi. J'ai une explosion de trous de balle. Ah ouais? Bon, bah j'arrive dans 5 minutes, Macaille. Prépare le fusil. Et dis à ta femme de se préparer. Mais oui, mon con. Eh ben, à tout de suite, mon amour. Ouais. À tout de suite, je me pointe là. Bisous, Macaille. Et ben voilà. Et ben voilà. Bim. Voilà. On va laisser plier. Voilà pour le clash de la drague de ce soir. D'après vous, qui a été le meilleur? Ça veut dire quoi, ça? Bah, ça veut dire qui a été le meilleur, ça veut dire qui est-ce qui a serré plus que l'autre, Cédric. Normalement, tu fais deuxième tour. Si c'est lui qui avait fait ce que j'avais fait, t'aurais fait un deuxième tour, machin, truc. Vas-y, prends un appel. Tu reconnais que tu as fait quelque chose de. Eh ben, ton adversaire te donne un appel, il est gentil. Il est gentil, Romano. Non, mais je te donne un appel parce que. Non, pas un deuxième tour, c'est pas un autre appel. Sur le premier, t'as quand même. T'as galéré. Non, mais on fait un deuxième tour, normal, quoi. Alors, un deuxième appel pour Cédric. Un deuxième appel. Offert, alors ça notez bien, par Romano. Mais toi, t'es une saloperie, toi. Toi. Allô. Allô. Ouais, bonsoir, Kevin, il est là, s'il te plaît? Oui. Tu me passes, ma belle? Allô. Allô. Ouais, Kevin, comment vas-tu? Ouais. Ouais, c'est Michel au téléphone. Dis-moi, je t'appelle là parce que ce soir, je voulais venir voir ta meuf. Y a moyen que je passe à la maison? C'est qui? C'est un voisin, Michel. Je t'explique, là, je viens de me faire opérer de la bite. C'est-à-dire que je l'ai un petit peu, elle est un peu plus grande, là, que la semaine dernière. C'est délire. Bah quoi, c'est pas un délire, je me suis fait opérer de la bite. Allô? Voilà, hop. Oh putain. Oh là, ils avaient annoncé à 22h12 avant. Alors je vais me renseigner auprès de Météo France, mais je crois qu'ils ont annoncé un vent en direct sur Skyrock à 22h12 précisément. Ça souffle, vas-y, hein. Compte pas ce clash. Ouais, heureusement que j'ai pas de cheveux, ça m'aurait décoiffé. Romano, vas-y, moi je vais en prendre un parce que pour tu le sport. Tu prends ton appel quand même. Pour le sport, pour c'est le délire. Ouais, donc c'est un deuxième pour, tour. Pour votre plaisir, mes amours. Oh, comme c'est monsieur, un gros, je le prends pas. Hein. Bah si, je le prends, monsieur. Allô? Oui, allô? Ouais, Stéphane? Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu? C'est qui? C'est un copain de ta femme à l'appareil. Et ça? Je m'appelle Jean-Louis. Jean-Louis? Elle t'a jamais parlé de moi? Non. Non, c'est normal, je viens quand t'es pas là en général. Allô? Ouais? Ouais. En fait, je voulais passer ce soir à la maison, là. Oui? Oui, parce que j'aurais besoin d'un petit coup de main de sa part. En fait, je t'explique, j'ai une colique carabinée, il faudrait qu'elle me mette un doigt dans le cul pour boucher la fuite. Donc je voulais savoir si je pouvais passer dans les 5-10 minutes. C'est quoi ce délire? Je viens là. Ouais, vas-y, viens. Ouais, viens, j'arrive. Comme ça, tu me boucheras le cul avec ta bite au pire. Oui, voilà. Voilà, et puis ta femme me léchera un peu le cul pour nettoyer. Bien sûr, grosse pute, va. Ah, ça se gâte, je sens que ça, c'est déjà l'amour. C'est des mots d'amour. Toi, t'as vraiment envie que je vienne maintenant, là. Bah, vas-y, viens, je vais niquer ta mère. Elle vient pas ce soir. Elle est pas prévue. Elle a pas la chiasse, elle. Bah ouais. Je vais me pointer tout seul et puis on va voir ce qu'on peut faire tous ensemble. Bah ouais, fils de pute, viens, je vais te niquer ta mère. Ouais, c'est bon, ça fait deux fois que tu le dis. Pas mal. Là, il est excité, il a envie bon, de. Bon, bah j'arrive, Macaille. Vas-y, viens, je crois que ce soir ta femme elle va prendre, mais comme elle a jamais pris. Je peux venir moi aussi? Non, toi t'es trop vilain. Allô? Toi, quoi, mon ami? Eh bien, j'arrive. Eh ben voilà. À tout de suite. Bip bip.
Et bien voilà. Voilà. Un double tour pour faire plaisir à Cédric. Non, mais c'était vraiment pour te faire plaisir. Romano, pour nous faire plaisir après le deuxième appel. Est-ce que c'est la peine de voter là? Bah oui, ah bah évidemment que c'est la peine. Ah là ouais, c'est la peine, ouais. Et c'est d'ailleurs. Ah non, vas-y, laisse tomber, on vote pas ce soir. Ah bah méfiez-vous, parce que c'est dans ces moments-là que tout peut arriver. Ouais, non, laisse tomber. Une démobilisation de l'équipe qui pense qu'elle va gagner. Une surmotivation de l'équipe qui pense qu'il va perdre. Mais la team Romano est toujours motivée. Là, ça va être un peu dur. Vas-y, viens, on fait pas de vote ce soir. Mais si, on fait des votes. On fait un truc qui change, quoi. Cédric, il veut pas vous demander votre avis. Ça, c'est pas bien, Cédric. Bah ouais, attends, tranquille. On va dire que c'était un test. Donc ta déclaration. On fera un cash vendredi, vas-y. Ou demain, ou tout à l'heure, si tu veux. Non, non, mais c'est bon, c'est fait. Non, mais l'autre. Bah vas-y, les votes ce soir, c'est pas grave. Bah vas-y, bah hier, t'as gagné le clash de l'embrouille, sois content. Oui. Ah bah oui, ça c'est clair. Ça, le clash de la drague. Bon. Ouais. Alors. Ce soir, ça va pas être, ça va être chaud. Non, mais vas-y, on fait pas de vote, on change, on fait un truc original. Bon, Cédric, il veut pas que vous votiez pour lui. Oh, ne votez pas pour Cédric. Moi, je prends tous les votes. Je prends absolument tous les votes. Bon, ce soir, je crois qu'il n'y a pas photo. Non, mais on fait pas de vote tout court. Cédric, ce soir, c'était du vent. Ça soufflait. C'est la tornade ce soir. Et moi ce soir, deux coups de fil. Et dans les deux coups de fil, je me fais nettoyer l'anus. Et après, il me le bouche. Il bouche la fuite. Je crois pas que tu as le baiser. Avec différents objets, des bites, des fusils. Ouais, différents appareils. Ta maman était l'autre voulait, aussi. Oui, ce que j'allais dire. L'autre voulait même que j'invite ma maman. Mais elle n'est pas disponible malheureusement. C'est bien dommage pour elle. Et bien ce soir, on peut faire péter les compteurs. On peut faire du plus de 90% ce soir. La team Romano, surmotivée. R-O-M-A-N-O, votez Romano. Quel a été le meilleur pour vous? Vous nous dites, vous avez 5 minutes pour voter. Les 22h15. Les votes, on n'est pas obligé. Hein, jusqu'à 22h20. Ne votez pas Cédric, il ne veut pas de vote. Votez Romano. Moi, c'est, je prends. Venez chez moi, team non, le Belge. Pas, Rejoignez ma team. La Ygraine. Les résultats. Voici tout de suite sur Skyrock les résultats du clash de la drague. Les résultats du clash de ce soir. Tu nous as dit, Karim, que les résultats étaient assez serrés malgré les deux serrages à zéro de Romano contre Cédric. Ouais. Bah attends, nombre de fois, gros, je fais. Nombre de fois, je fais deux serrages et lui, c'est rien du tout. Le mec, il gagne. Non, mais tu fais jamais deux serrages. Si, si. Je tiens à dire que si, Cédric, tu as raison, vous avez fait. C'était quand? C'était pas ce vendredi, dernière. Mais le vendredi d'avant, vous avez fait un clash à drague où tout le monde a serré. Vous avez même serré trois fois la suite. Ah ouais, ouais. Ouais, bah j'avais gagné. Je crois que c'était vendredi. Alors, les résultats de ce soir, ce qui n'est pas le cas ce soir, bien sûr. Ouais, c'est pas, je m'en fous ce soir. Eh ben écoute. Pour moi, ça compte pas ce soir. Tu as tort parce que les résultats sont assez serrés. Donc non, mais j'ai même pas eu d'encore. Ça aurait pu basculer. Karim, quels sont les résultats du clash de ce soir? Qui a gagné? Bon, bah, de toute façon, on s'en doute bien, c'est victoire de Romano. Ah, on s'en doute bien, on sait jamais ce qui peut se passer. Ah, bah, tiens, moi, après, on est jamais sûr de rien. C'est serré quand même, C'est serré quand même. Ah ouais. Ah, écoute la blague de Karim, là. Tu penses faire combien, toi? Moi, franchement, sans me la raconter, c'est que je suis modeste. Non, pas 100, mais je dirais plus de 80, ça ferait plaisir. Ouais, moi aussi, je pense. Tu vas être déçu, Romano. Oh merde. Eh ben, tu vas être déçu. Tu fais 80, gros. Tour. Ah putain, c'est bon. 80 tours. Ouais. Ah, gueule. Merci, la team Romano. Bon, les couilles, tu crois. Merci, la team le Belge qui ce soir a déserté le camp de Cédric. Merci à vous tous et à vous toutes. Ah, mais soir, je le sentais pas, toi. Je vous aime. Bah, le l'arbitre, il suce la bite de Romano. Non, mais ça confirme l'horoscope de ce matin. Eh ben, ouais, j'ai eu 5. Eh ben, 5 au top niveau, 80%, c'est magnifique, c'est beau. De toute façon, dans cette équipe, c'est Romano. Bravo pour le clash. Merci pour tous les votes, vous avez voté en masse. Et là, vous avez eu raison. Romano fait sa photo quotidienne. Enfin, quotidienne, non, parce que c'est pas tous les jours, mais. Je vais poser comme une naïade sur le canapé. Comme une quoi? Une naïade. Qu'est-ce que c'est ça, une naïade? Regarde-le. C'est pas ce qu'il dit. Alors, poser comme une naïade pour Romano, c'est poser le cul en arrière. C'est faire la bitch, quoi, une naïade. Mais non, mais c'est dans l'eau. Comme sexy, tu vois. Ouais, une pin-up, quoi. C'est une pin-up. C'est ça, ouais. C'est la pin-up de Playboy ce soir. C'est ça. Pin-up Skyrock Playboy. Ah, putain, la gueule de la pin-up. Ah, mais si, parce que là, j'en pouvais plus de. Ça va. Tu peux être allongé? Dur métier. Mec normal. Prochain clash vendredi, en tout cas. Eh ben voilà. Bon, d'ici quelques instants. Romano, c'est plus fort que toi. Le top bug. Allez, nous, ouais, ça y est, bah oui, il est content. Elle a beaucoup plu, la blague de Karim. J'ai pas à pleurer. Karim, t'as beaucoup de succès avec ta blague sur la baise en famille.